Hey, bonjour, bonsoir, c'est Seasonix. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque je vais vous proposer mes invocations sur Dokkan Battle. Voilà, j'avais dit que la prochaine vidéo serait sur les prochains personnages de Grand Chase, mais voilà, c'est une petite vidéo en plus. Voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas partager finalement les invocations que j'allais faire sur le jeu. Je me suis dit, ben, ça se trouve, ça va leur plaire, ça se trouve, ils jouent aussi à Dokkan comme moi. Donc pourquoi pas. Après voilà, je vais pas me lancer dans la scène d'Okan plus que ça, puisque dans le partage de mes invocations où j'ai discuté de ça, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui sont là pour parler de ce jeu. Je pense notamment à Brice hein, ou à Fitzadri, voilà. Voilà, j'apprécie beaucoup leur contenu en tout cas. Donc c'est parti, on va évoquer sur le jeu. Et puis voilà, hein, c'est la sortie du hit. Sincèrement, à part hit, il y a pas vraiment que je voudrais, peut-être pour la collection avoir le frost qui est juste ici, et pourquoi pas le Botamagueta, mais sincèrement vraiment il y a que 8 que je voudrais avoir. J'ai pas beaucoup d'espérance parce que j'ai pas beaucoup de chance dans le jeu depuis au moins juillet août, ouais depuis août. Donc voilà, pas beaucoup d'espérance. Alors la première est à 30 à 30 DS. Tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Donc, mais normalement, si ça continue comme ça, on devrait faire 4 multi. Ok, on a un sort de détecteur, il me semble, avec ces deux-là. Ah, malheureusement, j'ai pas le son. Je sais pas pourquoi ça a pas capté le son. Bon, c'est pas bien grave. Allez, le bye bye, les gars. On est parti là-dessus. Notamment. Super, avant on va essayer de faire une vidéo rapide. Ok, bon, lui je crois qu'il est à 100% maintenant. Normalement, c'est SSR détecteur si je me trompe pas. Ok, Diren, je l'avais déjà. J'ai un doublon maintenant dessus. Ouais, un doublon dessus qui rentre à droite. Excellent. Très très bien ça. Parce que je le trouve assez faible. D'accord. Sur la multi à 30DS, bah, c'est excellent ça. Je pensais pas dropper aussi vite, à 8h28 du matin, les amis. Waouh! Pardon, excusez mon langage. Mais j'ai ultra de la chance en fait, depuis que je me suis rendu, à chaque fois que je tourne, j'ai vachement de chance. Ben voilà que j'ai déjà le hit. Très très rapidement, hein. On va pas se cacher. Première multi à 30DS, on chope hit. Ben, j'espère que vous aurez autant de chance que moi. J'ai eu le Jiren, j'ai eu lui. Ben, c'est une très très belle ulti. Vous savez quoi? Je vais faire un petit screen. Voilà. Ben, écoutez, je vais quand même faire. Je vais peut-être aller chercher le doublon, pourquoi pas. Ou alors un doublon de Migaté. J'ai déjà des doublons sur Migaté, je crois. Voilà. Ben, ce sera une vidéo très rapide. Oh là là, bah écoutez, je me disais, bah, de toute façon, au pire, oh là là, encore un SSR détecteur, je crois, Chaozu Tenchan. Aurais-je de la chance ce matin? Voilà, bah, comme je vous disais, j'avais vraiment plus de chance sur le jeu. Après, je pense que Hit, c'est pas un personnage qui hype tant que ça les joueurs. Moi, personnellement, il me hype pas tant que ça. Enfin, je pense que vous voyez ma réaction. Je suis content, hein, évidemment, je suis très très content. Mais comparé à un Broly ou un Gogeta Blue, qui était ben, un petit peu l'espoir qui avait été lancé sur le jeu par tout le monde. Forcément, on est un peu plus déçu. Je trouve que Hit, il divise pas mal les joueurs et je trouve qu'il n'est pas sorti à la bonne période personnellement. Parce que Noël, c'est une période qui rassemble les gens. Tiens pas, j'aurais un doublon dessus. Je trouve qu'il devient très très intéressant. Voilà, je disais, ouais, c'est une période qui doit rassembler tout le monde et tout. Et Hit, je trouve qu'il divise les joueurs. Et je trouve que c'est pas une période pour lui de sortir de maintenant. Je trouve que limite un Rosé, un Buan aurait plus rassemblé les joueurs, aurait plus été quelque chose de hypant pour Noël. Et malheureusement, hype, et malheureusement Hit, pardon, c'est pas le personnage qu'on attendait. Et du coup, pour certains, c'est une déception et je trouve ça dommage. Surtout qu'à Noël, on est censé être super heureux. Wow, j'ai beaucoup de SSR, hein, franchement. Super cool, j'ai beaucoup de SSR. Petite récompense et tout. Hop, allez, on va en faire une petite dernière et puis je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est vraiment cool. Vraiment cool pour moi en tout cas. J'espère que ce sera aussi cool pour vous, que vous aurez des invocations aussi bien que moi. Waouh, j'ai beaucoup de gens sur le plateau, mais rien qui me disent quoi que ce soit. Pas de digital. Ah, peut-être bye bye les gars alors. Peut-être la petite culotte, on sait pas.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas. Voilà, moi en tout cas, je suis très content d'avoir droppé Hit aussi rapidement. Après, je sais pas s'il va durer énormément. Franchement, il a une double catégorie. Je trouve qu'en tout cas, le lancement de la double catégorie est cool. Un petit bout de tech pas trop mal. En tout cas, il a une bonne. Un bon petit local. En tout cas, je pense que vous ne devrez pas faire plus que des petites évocations sur. Sur Dokkan, à part si vous souhaitez peut-être que je vous en parle un peu plus et tout, mais je pense pas que ça sera le cas. Hop, bon, je pense qu'on n'aura pas plus que ça. Voilà, le petit Goku SSJ2 Tech. Bon, c'est un petit support, mais bon, ils ont que du ki, donc c'est pas hyper intéressant. Bon, voilà. Écoutez, moi je suis très content. J'ai eu le petit hit à la première invocation à 30DS. Donc je ne peux pas être plus heureux que ça. Ouais, parfait. Il est où? Il est juste là, voilà. Voilà, on se laisse là-dessus. Ben voilà, une petite vidéo courte, voilà, pour le partage de mes vidéos. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Si vous voulez voir un peu plus de Dokkan, pourquoi pas. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas là pour ça, que vous êtes là pour du grand challenge et tout. Donc moi je vous fais. D'accord, bisous, comme d'habitude. Je vous dis bonne journée, je vous dis bonne soirée, et puis je vous fais la bise. Ciao, ciao, sur du Grand Chase.